Je m'appelle Alexei Titarenko. Je suis né à Saint-Pétersbourg. J'habite Saint-Pétersbourg. Je photographie Pétersbourg depuis l'âge de 8 ans et toute mon œuvre est consacrée à cette ville. On peut dire que l'histoire de la ville, l'histoire de la Russie de ces 20 dernières années, se reflète tout entière dans mes photographies. Je me suis efforcé d'y montrer à travers le prisme de ma ville natale les événements qui se sont produits non seulement ici, mais dans tout le pays. Les changements, les catastrophes, les tragédies humaines que la ville et les habitants de ce pays ont traversées. Un artiste, un photographe par exemple, porte toujours en lui un certain nombre d'idées et ne sait pas à quoi elles ressemblent. La création consiste précisément à rendre ces idées visibles pour les autres. Dans mon cas, ce processus se réalise dans des promenades comme celle-ci. Je marche et tout à coup je vois quelque chose et me retrouve devant ce que je cherchais. Je suis moi-même né dans une petite rue industrielle sur l'île Vassilievski.
Dans une maison comme celle-ci, entourée d'une quantité de cours intérieures qu'une foule de travailleurs traversait du matin au soir, en passant par cette rue numéro 24 de l'île Vassilievski. Mes souvenirs d'enfance se mêlent aujourd'hui naturellement à ce que j'observe. Quand je suis frappé par un bâtiment, par ce qui se passe dans une cour, par un paysage urbain, c'est que cela touche quelque chose de profondément enfoui en moi, lié à des souvenirs d'enfance. C'est pour moi un critère de sincérité, de nécessité à fixer ces images sur la pellicule. Nous vivions avec mes parents dans un appartement communautaire. Nous occupions à cinq une petite pièce. Et pour que je ne dérange pas les autres le matin, mes parents me donnaient le soir un livre que je lisais à mon réveil. Ainsi, vers 7-8 ans, j'avais déjà lu un nombre important de livres. Et cette littérature avait donné une impulsion à mon imagination. J'aimais me promener après la lecture. Souvent, tel ou tel recoin de la ville éveillait en moi une émotion incompréhensible, mystérieuse. Et il me semblait qu'en photographiant ces endroits, je pourrais transmettre cette chose indicible qui me touchait. Je prenais l'appareil photo que m'avaient offert mes parents et j'essayais d'aller faire des photos dans tel ou tel quartier de la ville. Bien sûr, quand j'étais petit, je ne comprenais pas encore qu'un simple enregistrement de la réalité sur la pellicule ne permettrait pas de transmettre ce que je ressentais. La ville de Saint-Pétersbourg a un peu conservé son visage du 19e siècle. En évoquant ces thèmes éternels comme l'eau, la glace, les canaux, on peut approcher son âme, mieux rendre compte de sa singularité, de ce qui la distingue des autres villes. Le canal Griboïedov est un des lieux de promenade préférés des habitants de Saint-Pétersbourg. Un lieu de rendez-vous pour les amoureux, un lieu de longue rêverie pendant les nuits blanches. C'est là que j'ai fait les photographies les plus romantiques. Les plus proches des récits de Dostoïevski et de son roman Crimes et châtiments. Есть, Настенька, если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места как будто не заглядывает тоже солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на все иным, особенным светом. Услышите вы, что в этих местах проживают странные люди, мечтатели.
Au début des années 90, je travaillais encore sur le cycle « La nomenclature des signes ». Cette série était dirigée contre le régime totalitaire, contre le pouvoir de la nomenclature. Mais elle ne correspondait déjà plus à la réalité que nous avions sous les yeux. Peu à peu, le régime soviétique s'effondrait. Une terrible crise économique commençait. Les magasins d'alimentation étaient vides, c'était comme pendant la guerre. Il y avait des tickets. Pour obtenir de la nourriture en échange de ces tickets, les gens couraient d'un magasin à l'autre, l'air éperdu, les yeux tristes. Je posais mon appareil à l'entrée du métro et je photographiais. Ce qui se passait autour de la station de métro, dans la mesure où elle était entourée de magasins, se superposait aux sensations que me procurait alors la musique, en particulier la musique de Chostakovitch et sa 13e symphonie. Le mouvement qui a pour titre « Au magasin ». Les masses de gens qui affluaient près du métro formaient une sorte de marée humaine et me donnaient une sensation d'irréalité, de fantasmagorie. Ces gens étaient comme des ombres qu'on rencontre dans un tout autre monde. Je décidais d'exprimer cela dans mon travail. Pour représenter cette impression, je devais trouver une métaphore visuelle qui permette que le spectateur partage mes propres sensations aussi précisément que possible. Je décidais de tenter d'utiliser pour cela le procédé de longue exposition. J'ai pensé que puisque le temps semblait s'être arrêté dans le règne des ombres, on pouvait sûrement l'arrêter également avec l'appareil de photographie. En laissant l'obturateur dans une position d'ouverture. C'est un retraité. Il attend le trolleybus à la station. Et en fait, il attend on ne sait quoi, peut-être des jours meilleurs. Le trolley permet d'exprimer ce laps de temps qui s'est écoulé. Il est arrivé, reparti, et l'homme, lui, est toujours là. Il y a une relation au temps qui est très différente de l'approche photographique traditionnelle, où dans l'histoire de la photographie, le temps, c'est une des composantes essentielles de l'acte photographique, c'est-à-dire la photographie, c'est un croisement entre un certain espace à un certain moment donné. Donc il y a une rencontre de l'espace et du temps qui se fait à l'intérieur du cadre. Lui, c'est vrai que le temps n'existe pas en tant que moment précis. Il faudrait plutôt parler d'une espèce de durée, quoi, de quelque chose qui est sans arrêt en mouvement. Et là, la photo est une portion de mouvement, finalement. Aujourd'hui, si on prend par exemple la photographie documentaire urbaine, toute l'école allemande qui est liée à la frontalité, au grand format, à l'usage de la couleur, c'est clair que ces options esthétiques sont radicalement différentes. Et puis, il est aussi décalé sur le plan temporel. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il est insituable dans le temps. On ne peut pas dire « ça, c'est Saint-Pétersbourg de 1998 ou de l'après-soviétisme ». C'est complètement atemporel, décalé, donc inattendu. Il captive beaucoup de gens. Parce que je pense que c'est peut-être aussi lié au mystère.
Mais il est mystérieux aussi dans son attitude, dans son... dans le personnage. Le personnage a aussi quelque chose de mystérieux, a quelque chose de... non pas de replié sur lui-même, mais on sent quand on le fréquente qu'il a une activité intense, qui, et de temps en temps il fait une incursion vers nous, mais après il se replie. Enfin, il a aussi dans son comportement quelque chose qui est mystérieux. Arrivé à la place au foin, je commençais habituellement ma promenade dans le quartier à cet endroit où l'on voit maintenant une plaque commémorative indiquant qu'ici a vécu Fiodor Mikhailovitch Dostoïevski. C'est au coin de cette rue que j'ai pris cette photo. J'ai photographié plusieurs fois du même endroit, mais à un moment, j'ai décidé de bouger un peu l'appareil pendant la prise. Et cela a donné une atmosphère tout à fait remarquable, aérienne et brumeuse, mystérieuse. Cette atmosphère de Saint-Pétersbourg m'avait toujours inspiré. J'avais toujours voulu l'exprimer dans mon travail. Et c'est précisément ici que j'ai réussi à la saisir. Pendant la prise, j'ai fait un petit mouvement de l'appareil qui a donné une sensation de lumière ensoleillée. L'épaisseur de la lumière, elle est quand même très caractéristique de ce travail-là. C'est quand même ce qu'il cherche toujours à capter, je dirais. C'est cette présence d'une lumière qui est très spécifique à cette ville et qui photographiquement est exploitée de tas de façons différentes, mais toujours de manière à la rendre encore plus présente. C'est vraiment le photographe d'une ville, et ce qui m'intéresse toujours beaucoup, moi, dans la photographie, c'est le lien qui s'établit entre un artiste et puis un lieu. Et là, il y a vraiment une très grande, j'allais dire, complicité, disons, de l'artiste avec sa ville. Ici, il peut y avoir des sujets intéressants, parce qu'il y a un marché tout près et qu'il y a beaucoup de passages. Parfois, je photographie et je ne peux pas voir ce que ça a donné. Je rentre chez moi, je regarde les négatifs, ensuite je retourne au même endroit et j'essaye de photographier encore et encore. Parfois je retourne au même endroit 3, 4, 5 fois, parfois plus. Pour que le cliché soit bon, il faut que les gens se détachent sur le fond de cette citerne. Mais cette femme, elle va se fondre au contraire. Et puis ses vêtements ne sont pas caractéristiques.
Difficile à dire. On peut essayer celle-là, par exemple. Elle a quelque chose d'inhabituel. Je fais des essais comme ça à partir de tous les négatifs qui m'ont paru plus ou moins intéressants. Ensuite, je les mets de côté et pendant un certain temps, je n'y touche plus. Pratiquement toujours, l'image obtenue à partir du négatif est en fait loin du choc, de l'émotion que j'ai eue en me promenant et en arrêtant mon attention sur tel ou tel sujet à photographier. Pour cette femme, j'ai vu de loin ce papier dans sa main, qui était comme le miroir de son âme, qui irradiait comme un cri humain de désespoir. Pendant le tirage, je m'efforce bien sûr de concentrer l'attention du spectateur sur tel ou tel détail qui m'a attiré quand j'ai fait la photo. Pour qu'on voit plus concrètement à quel point l'épreuve documentaire du négatif diffère de l'épreuve à laquelle je veux aboutir, on peut comparer. Voici une épreuve ordinaire du négatif. Et voilà une des nombreuses épreuves avec lesquelles j'essaie de me rapprocher de la sensation que j'éprouvais au moment de la prise. Ensuite, dans le cas de cette photo, il me faudra encore travailler le blanchiment et effectuer le virage. Une des idées que j'ai voulu restituer est celle de la solitude de cette femme. Pour l'accentuer, j'ai voulu créer une atmosphère d'enfermement autour d'elle. Le sentiment de compassion pour cette pauvre femme, jetée à la rue et forcée de demander l'aumône, est naturel, direct. S'il y a compassion, c'est qu'il y a amour. S'il y a amour, il y a compréhension. Et c'est peut-être en cela que réside un des objectifs de l'artiste et de l'art. L'artiste vit seul. La valeur absolue des choses qu'il voit n'importe pas pour lui. L'échelle des valeurs ne peut être trouvée qu'en lui-même. Le cycle de Proust, à la recherche du temps perdu, est fondamentalement un instrument pour lire en soi. Il permet de mieux se connaître. Et c'est précisément cela qui est sans doute l'essentiel pour un artiste. Узнать свои собственные
connaître son propre idéal, ses propres rêves. Cela veut dire connaître le but de sa vie, le but de son œuvre.